Ce n'est pas pour une rencontre sportive, mais pour dire adieu à Alain Moloto que cette foule a pris d'assaut le stade des martyrs de la Pentecôte ce mardi. Hommage à l'artiste et musicien chrétien Alain Moloto, fondateur du groupe Adorant l'Éternel Gaël. Le musicien de renom international qui, à travers ses cantiques, a convaincu des milliers de personnes, ce qui a justifié cet engouement. Malgré ses jours ouvrables, travailleurs, parents, amis, chrétiens ont tous séché leur lieu de service pour venir répondre à ce dernier rendez-vous. Tristesse, consternation, cantiques d'adoration et de louanges, prières, tout était mis en musique pour honorer la mémoire de l'illustre disparu. Mais malgré qu'il s'affaiblissait dans la chair, mais en esprit, après qu'il n'a forcément qu'en tout cas l'habité sur la quoi expliquer la ligne. Makasi Peza, il priait tout le temps. Et puis il parlait dans la langue moko ezaki kolekelangai. Et ça continuait quand on dégouana. Et puis comment kiti, bovandi, bomona zoba. Oh Christine, regarde comment ce merveilleux. Gabinini papa. Abim regarde la chambre est pleine des anges. Bazo quoi adorer Zambé. Voilà bi papa ngai. Moi je vais vivre la volonté de Dieu. Assis à même le sol, sur les chaises ou sur des murs, monté sur des véhicules, en tout cas, chacun dans son coin s'est choisi un lieu pour ne pas louper cet événement en live. Officiel, politique, chrétien, unis comme un seul homme, personne ne pouvait garder ses sentiments. Il est parti comme il a vécu. Alain Moloto était reconduit à sa dernière demeure aujourd'hui, au son de louanges et d'adoration, en vrai adorateur. La minute à Zokende, Alain Zotato, la que Christine, au moins, que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Tala, Makamouzamba, Zokesala. Et à la seconde, il était parti. C'est pour un sommeil profond qu'il s'en va à la nécropole entre ciel et terre.